Donc, bonjour à tous. Donc, vous êtes dans la conférence Full PHP A Framework Yes Automagic No. Donc, on va essayer de vous présenter les bases de Full PHP et de vous expliquer pourquoi on utilise Full PHP dans nos projets professionnels. Tout d'abord, je me présente. Je suis Sébastien Drouillet. Et moi, je suis Julien Spera. On m'entend ? On travaille tous les deux dans une société lyonnaise qui s'appelle Novius. Donc, c'est une PME qui a deux métiers. Un premier métier d'agence web et un deuxième métier d'édition logicielle qui s'exerce notamment au sein du Novius Labs auquel Sébastien et moi-même appartenons. Et donc, globalement, l'agence web fait des sites internet et on utilise un framework développé maison pour ça. Et ce qui se passe, en fait, c'est que le framework développé maison, il est assez vieux. Il a été commencé il y a 10 ans et il a assez mal suivi les évolutions des langages et les évolutions du web en général. Donc c'est pour ça qu'il y a un an et demi, on a décidé de refaire un CMS en partant de zéro. Et ce qui se passait du coup, c'est que quand on a décidé de refaire ce CMS, on a cherché notamment des frameworks à la fois côté client et à la fois côté serveur qui pourraient nous aider à avoir une base entre guillemets solide pour pouvoir faire notre CMS. Et c'est à ce moment-là qu'on est tombé sur Full PHP, donc il y a un framework PHP. Et il nous a très rapidement séduit, on va essayer de vous montrer pourquoi. Alors, Full PHP, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un framework PHP qui a été créé fin 2010, mais dont la première version est sortie en juillet 2011. Donc, la première version du projet est assez récente, elle a moins d'un an et demi. Et en moins d'un an et demi, ils ont récolté plus de 1000 watchers sur GitHub et plus de 2500 followers sur GitHub. Donc, ils ont quand même eu leur petit succès et fait leur petit bout de chemin. Et les créateurs de Full PHP aiment bien dire qu'il est né de la frustration des développeurs avec les frameworks actuels. Alors, rapidement, les créateurs de Full PHP, qui sont-ils ? Donc en haut, les trois premiers, on peut retrouver la core team actuelle de Full PHP, en fait. Donc c'est les trois personnes qui s'occupent actuellement du framework. Et les deux personnes en bas, dont celle de gauche qui est le fondateur, on peut dire que c'est des retraités entre guillemets, donc ils sont partis principalement par manque de temps. On peut comprendre que c'est assez chronophage de s'occuper d'un gros framework PHP. Et donc quand ces gens ont créé Full PHP, ils avaient quelques philosophies en tête, donc je vais essayer de passer assez vite dessus. Donc la première chose, c'est que Full PHP, du coup, c'est pas le premier framework PHP, il y avait déjà plein de frameworks existants, mais ils ont quand même décidé de refaire le leur en s'inspirant des meilleures idées de tous les autres frameworks. Donc il y a beaucoup d'éléments dans Full PHP qu'on va retrouver dans d'autres frameworks. Ils s'en cachent pas. Ensuite, c'est que vous voulez reprendre un nouveau départ en codant en PHP 5.3 depuis la base, notamment en utilisant les namespaces. Parce qu'une partie de la frustration qu'on avait, c'était justement d'avoir entre guillemets aussi des frameworks vieillissants avec du PHP 5.4, pas 5.4, du PHP 4, avant 5.3. Voilà. Au niveau des mots-clés, il y a trois mots-clés qu'on peut retenir dans la philosophie de Full PHP. C'est la simplicité, la flexibilité et la légèreté. Donc la simplicité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on lit un code Full PHP, il faut que ce soit facile à comprendre. Quand on veut écrire un code Full PHP, il faut que ce soit facile à écrire. Et donc il faut que les classes qu'on utilise et les méthodes dont on se sert soient faciles à retenir, qu'on puisse s'en servir facilement. Donc ça, la simplicité, c'est une partie sur laquelle on va pas mal revenir dans la suite de la présentation. Le deuxième mot, c'est flexibilité. Donc ça, c'est assez simple. Ça veut simplement dire qu'on peut rajouter des fonctionnalités via des modules ou des packages, voire même qu'on peut remplacer le fonctionnement interne d'un élément de base de Full PHP si on en a besoin. Je donnerai un exemple après également. Et enfin, c'est la légèreté. La légèreté, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simplement qu'on charge uniquement ce dont on a besoin pour pouvoir rester performant. Full PHP, il faut savoir que c'est un projet qui est community driven, que ça veut dire que c'est pas une société qui le propulse derrière, c'est uniquement des gens entre guillemets sur leur temps libre qui font le framework. Et ça veut également dire que nous tous dans cette salle, on est au même niveau pour repérer des bugs, proposer des patchs sur GitHub et des pull requests. C'est pas parce qu'on n'est pas connu ou qu'on est petit qu'on va pas du tout être écouté. Toute contribution, même petite, est la bienvenue. Tant bien sûr que ça relève d'une fonctionnalité du framework et que c'est pas une fonctionnalité qu'on a besoin à côté qu'on pourrait faire dans un module séparé.
Et enfin, la phrase qui pourrait définir Fuel PHP, c'est Convention over Configuration, no auto magic. Donc ça, c'est, ça reprend le titre de notre conférence, en fait. Voilà. Donc, en tout premier, j'ai dit que Fuel PHP n'est pas le premier framework et qu'il s'inspirait des meilleures idées d'autres frameworks. Donc rapidement, je vais faire une revue de ces autres frameworks sur lesquels ils s'inspirent et qu'est-ce qu'ils ont repris dans ces différents frameworks. Ça, c'est pour que si vous utilisez un de ces frameworks, vous puissiez vous reconnaître dans Fuel PHP. Donc le premier framework dont ils s'inspirent, c'est CodeIgniter, dont ils ont repris notamment la simplicité, la légèreté, la rapidité et la facilité d'apprentissage. Donc CodeIgniter, c'est écrit en PHP 4. Et également le fait qu'il y ait peu de dépendance côté serveur. Ça veut dire qu'avec une installation PHP d'une distribution de base, on n'a pas besoin de modules spécialement en plus pour pouvoir le faire tourner. Voilà. Le deuxième framework, c'est Koana. Donc ils ont repris la flexibilité dans la structure des fichiers et dans la hiérarchie des répertoires. Ceux qui connaissent, ça doivent leur parler. Et enfin, un excellent Query Builder, donc qui est une API pour construire des requêtes pour la base de données. Enfin, on retrouve des grosses pointures, également comme Symfony ou Rails, avec des outils entre guillemets un peu plus matures, à savoir une ligne de commande, des outils pour faire des migrations, du scaffolding, donc c'est de la génération d'administration, on aura une petite démo tout à l'heure, et enfin un ORM basé sur Active Record. Et enfin, il y a plein d'idées qu'on ne peut pas vraiment attribuer à un framework bien particulier et qui ont été recyclées, reprises dans Fuel PHP, donc l'HMVC, le REST, les templates, de l'authentification avec des ACL, de l'envoi de mail, plein de choses assez classiques, quoi. Donc tout de suite, je vais vous montrer un exemple de code Fuel PHP. Et c'est à partir de cet exemple que je vais vous expliquer pourquoi nous, on a aimé Fuel PHP. Donc la première chose, c'est la syntaxe. La syntaxe dans Fuel PHP, c'est quelque chose dont ils sont fiers et qu'ils affichent sur la page d'accueil de leur documentation. La syntaxe, elle est assez claire et concise. Donc là, c'est un code de Fuel PHP. On peut voir, je vous ai dit avant que Fuel PHP, c'était du PHP 5.3. Malgré tout, ici, il n'y a pas de namespace apparent. Alors, rassurez-vous, Fuel PHP utilise les namespaces et toutes les classes de Fuel PHP sont dans leur propre namespace qui s'appelle Fuel Core. Mais ils sont partis du constat qu'en réalité, les namespaces, c'est bien, ça permet de séparer les classes de provenance différentes pour pas qu'il y ait de conflits et qu'on puisse se servir de chacune individuellement. À part que si tout le monde utilise les namespaces, entre guillemets, personne n'utilise les namespaces global. Donc, ils sont partis de ce constat. Et ils ont fait un choix de conception assez fort qui permet de simplifier du coup la vie du développeur. Donc je vais expliquer pourquoi ce bout de code peut fonctionner. Donc on a en première ligne controller admin extends controller. Controller, vu qu'il n'y a aucun namespace, c'est la classe qui est dans le namespace global. Ce qui va se passer du coup, c'est qu'on va appeler l'autoloader pour charger cette classe controller. Cette classe controller n'existe pas dans le namespace global. Et donc Fuel PHP va essayer de la chercher dans son propre namespace à lui à la place. Donc il va essayer de la chercher dans Fuel Core Controller. Et là, chance, la classe existe. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui créer un alias dans le namespace global. Et donc on va pouvoir s'en servir dans le namespace global comme si c'était une classe de FuelCore. Donc en réalité, la première ligne, ça cache derrière classe controller admin extends FuelCore controller. Sauf que, voilà. Donc ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est que du coup, potentiellement, on a des noms de classes qui sont plus faciles à écrire, plus faciles à retenir. On n'a pas besoin de connaître le namespace devant, on sait juste qu'on veut servir d'un contrôleur. Et le deuxième avantage, potentiellement, c'est qu'on peut, si on le souhaite, remplacer ou étendre un comportement du cœur de Fuel PHP en créant nous-mêmes, avant lui, la classe dans le namespace global. La seule contrainte, c'est qu'il faut être compatible avec l'API que eux fournissent. Ensuite, je vous ai dit que dans Fuel PHP, la phrase qui décrit la philosophie, c'était Configuration over Convention, donc je ne peux pas vous parler de Fuel PHP sans vous parler des fichiers de configuration. Donc les fichiers de configuration, c'est une pièce centrale dans Fuel PHP. Et simplement à la lecture d'un fichier de configuration, on peut se rendre compte, entre guillemets, des possibilités qui sont offertes par le framework. Alors par défaut, les fichiers de configuration sont stockés dans des fichiers .php. Donc là, en fait, il y a une petite astuce que j'aime bien qui consiste à utiliser, de manière combinée. Dans un premier fichier, un return d'un tableau, et dans un deuxième fichier, on fait un include du premier fichier. Et ainsi, on peut récupérer le tableau du premier fichier dans une variable. Donc ça, c'est la technique qu'ils utilisent pour stocker les fichiers de configuration dans des fichiers .php. Par contre,
Le fichier PHP, c'est juste la configuration de base. On peut très bien écrire des fichiers de configuration, si on veut, dans d'autres formats, comme par exemple du YAML, du INI, etc. Donc ça, en fait, ça passe par des drivers. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une classe config de base qui définit une certaine API qui est implémentée une première fois pour lire des fichiers PHP et écrire des fichiers PHP, enfin des fichiers de configuration. Et cette classe config ne propose pas uniquement une interface pour écrire des fichiers de config et lire des fichiers de config en PHP, mais elle le propose également pour le YAML, le JSON et le INI. Donc il y a beaucoup de places dans FuelPHP qui utilisent ce mécanisme de driver et qui permettent du coup d'utiliser plutôt une implémentation ou une autre en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, par exemple, on peut voir qu'il n'y a pas de driver par défaut pour lire des fichiers de configuration en XML, parce que tout simplement en PHP, très peu de gens utilisent des fichiers de configuration en XML. Mais si on voulait le créer nous-mêmes, ça serait très simple. En réalité, toutes les classes qui implémentent une config particulière, donc config PHP, YAML, JSON et INI, elles sont nommées config underscore le nom du driver. Donc pour PHP, ça sera config underscore PHP. Et ce qui se passe, c'est que si nous, on crée une classe qui s'appelait config underscore XML, automatiquement, ça créerait un driver XML pour la classe config et on pourrait lire des fichiers XML de cette manière. Voilà. Sinon, notre truc pour les vues, les fichiers de vue, dans le modèle MVC, par défaut, FuelPHP utilise également le PHP, parce que PHP, c'est un système adapté pour faire des vues à la base. Mais ils ont également un package qu'ils fournissent à côté qui s'appelle le package parser et qui permet de gérer énormément de moteurs de templates. Donc on notera notamment Twig, beaucoup utilisé en Symfony, Mostage, Markdown, Smarty, etc. Et ça fonctionne de la même manière, on peut simplement définir une nouvelle classe pour faire un nouveau driver et gérer le moteur de template que l'on souhaite. Alors maintenant je vais mélanger les fichiers de configuration et les drivers. Ça va nous amener à quelque chose de sympa. Donc tout en haut, on peut voir un fichier de configuration en FuelPHP. Donc là, en l'occurrence, c'est le fichier de configuration qui s'occupe de gérer les sessions. Dans ce fichier de configuration, il y a plusieurs choses. Donc premièrement, tout en haut, la première ligne, il y a driver file. Ça veut dire que le driver qu'on va utiliser pour stocker nos sessions par défaut, uniquement par défaut, ça sera file. Ensuite, en réalité, en dessous, il y a plein d'autres variables que j'ai pas mis. Donc par exemple, auto-initialize qui permet d'initialiser la session automatiquement à chaque chargement de page. Et encore en dessous, on a à chaque fois un nom de driver, flèche, un tableau de configuration spécifique à ce driver. Donc file, memcache, db, redis, ce sont des drivers qui existent pour la classe config. Et chaque driver peut avoir sa propre configuration spécifique en plus de la configuration qui est globale à tous les drivers. Donc là par exemple, pour le driver file, on a dit on veut stocker nos fichiers de session dans le dossier slash tmp. Faites jamais ça, c'est juste un exemple. Ensuite, ils sont partis dans un deuxième constat pour faire un deuxième choix de conception assez fort. C'est que quand on crée une application, on choisit au début si on veut stocker nos sessions soit dans des fichiers, soit en base de données, soit ailleurs. Et une fois qu'on a choisi, on ne change pas. Au sein de notre application, on va tout le temps utiliser la même manière de stocker nos sessions. On ne va pas à un petit bout endroit stocker les sessions dans des fichiers et à un autre endroit ailleurs dans la même application les stocker en base de données. Généralement, on ne fait pas ça. Donc, parti de ce constat, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu public l'API de la classe session, mais du coup pas que de la classe session, de tous les drivers qu'ils implémentent, via des méthodes statiques. Donc ça, c'est le premier exemple qu'on voit au milieu du fichier. C'est qu'on peut faire user égale session 4.get user. Ça va récupérer la variable user qui est stockée en session. Et qui est stockée en session comment ? En fait, ce qui est stocké en session via des fichiers, parce que dans le fichier de configuration on lui a dit que le driver à utiliser par défaut c'était les fichiers. Donc il y a une dualité entre les appels statiques et l'API qu'implémente chaque driver, donc l'API session. Donc en dessous on peut voir un deuxième exemple qui est exactement identique. Donc la première ligne, on récupère une instance du driver session qui stocke les sessions dans des fichiers avec session forge file. Donc file, c'est le nom du driver. Donc on peut passer soit un nom de driver, soit une configuration complète de driver, soit rien du tout, et dans ce cas-là, il va utiliser le driver par défaut. Et dans la deuxième ligne, une fois qu'on a notre instance d'objet, on peut faire session flash get user. Ça, c'est exactement la même chose que le premier exemple. Dans le premier exemple, en réalité, lui, il récupère juste l'instance par défaut et récupère la variable user dedans. Donc en réalité, l'appel statique qu'on voit dans le premier exemple, ça cache derrière un vrai objet session
qui est configuré pour stocker dans des fichiers. Voilà. Et maintenant, je vais laisser Sébastien vous faire une petite démonstration un petit peu de Full PHP, de ce qu'on peut faire avec. Donc là, ce que vous avez présenté, Julien, ça correspond plus à la théorie. Moi, ça va plutôt être la pratique. Donc, parmi ceux d'entre vous, qui a déjà utilisé un des frameworks que Julien a cité? Oui, donc pas mal. Moi, vous allez voir que, en fait, ça ressemble pas mal à ces frameworks, au niveau de la structure, en tout cas. Donc, je vous présenterai deux points intéressants dans FullPHP, et je vais commencer par OIL, qui est sa ligne de commande. Donc, OIL est à la fois un package et un utilitaire de FullPHP. Il est très largement inspiré de la commande Rails de Ruby on Rails, et sa philosophie est d'être optionnel. Vous n'avez pas à l'utiliser, mais il propose un certain nombre de lignes de commande qui vont permettre de simplifier la vie du développeur. Donc voyons en quoi OIL permet de simplifier la vie du développeur. Tout d'abord, OIL permet de générer une instance de base d'un projet. Avec la commande ici, OIL create example, je vais créer une instance de base de FullPHP dans le dossier example à partir duquel je vais pouvoir coder mon projet. Donc si j'exécute cette commande, en fait tout ce qu'il fait derrière, c'est il passe par l'utilitaire Git, je ne sais pas si vous connaissez, et en fait il clone un repository. Donc en fait il fait une copie, il copie un dossier sur un serveur, basiquement. Simplement, vu qu'on a on est connecté sur le Wi-Fi, c'est un peu lent, donc j'ai créé précédemment une autre instance de mon projet. Et une fois que le projet est installé, donc on a accès à une page d'accueil qui nous indique un certain nombre d'informations de base, hein, un lien vers la doc, un get started, etc. C'est assez pratique quand on débute en FullPHP. Et derrière ça, donc il nous a généré toute une arborescence, donc dans lequel on a d'abord un dossier public. Donc dans le dossier public assets, il y a tous nos fichiers statiques. Donc les fichiers CSS, les fichiers JS, les fichiers images, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre des HTML si vous voulez. Vous avez un dossier docs, qui est en fait une copie de la doc en ligne sur votre ordinateur pour que vous puissiez y accéder hors ligne. Ça peut être pratique des fois, mais j'avoue que je ne l'ai jamais utilisé. Et enfin le dossier fuel, qui contient tous les fichiers dynamiques, avec le dossier app, donc, qui contient tous les fichiers qui correspondent à votre application. C'est ici que vous allez créer vos fichiers et modifier les fichiers. Le dossier core, qui correspond au cœur de FullPHP. Là, vous n'avez rien à modifier. Et le dossier package, avec un certain nombre de packages déjà installés de base, qui sont en fait des sortes de plugins au cœur de FullPHP. Donc, OIL permet de créer cette instance de projet. Simplement, ce n'est pas tout ce qu'il permet de faire, évidemment. Il va permettre, par exemple, de générer des fichiers de base de votre projet. Il va permettre de générer des fichiers vues. Il va permettre de générer des fichiers contrôleurs. Il va permettre de générer des fichiers modèles. Et il va permettre de faire du scaffold. Donc le scaffold, c'est un ensemble de fichiers, un code qui va vous permettre de gérer les actions de base sur un objet. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez généré ce code, vous pourrez faire les actions CRUD sur cet objet, c'est-à-dire créer des objets, mettre à jour un objet, lire un objet et supprimer un objet. Ce n'était pas dans l'ordre, mais c'est ça. Donc typiquement ici, pour générer un scaffold, j'écris OIL generate scaffold. Monkey, donc je veux générer le scaffold qui va me permettre de gérer les singes. Et après, je mets mes colonnes, donc je veux un nom pour chacun de mes singes avec le type string, donc qui est l'équivalent varchar 255 en MySQL. La description, qui est un type de, qui est une colonne de type texte. Et si par exemple je voulais rajouter une autre colonne, je pourrais par exemple rajouter age int, qui serait en fait un entier, une colonne entière dans mon modèle. Mais je n'ai pas envie de rajouter cette colonne. Si j'exécute cette commande, ce qui est bien, c'est que OIL nous indique exactement quelles sont les opérations qu'il a effectuées. On peut voir qu'il a créé un fichier migration, j'y reviendrai un peu plus tard, qu'il a créé un fichier modèle, un fichier contrôleur, un certain nombre de fichiers vus. Ça tombe bien puisqu'on est un MVC.
Là, donc, il a généré tout le code permettant de gérer mon objet, mais simplement, si je vais voir dans ma base de données, excusez-moi, donc je vais y aller par Firefox, Internet. Donc là, c'est PHP Manadmin, hein, ça n'a rien à voir avec... Voilà. Donc si je vais voir ma base de données, je peux voir que malheureusement, elle est vide. Or, c'est assez gênant si on veut pouvoir modifier, enregistrer les modifications sur ces objets. Donc, c'est là que va rentrer en compte le système de migration de FullPHP. Est-ce que la plupart d'entre vous ont déjà utilisé un système de migration ? D'accord, il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Donc un système de migration, ça va permettre de gérer les versions de votre logiciel. C'est généralement lié à la base de données. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez créer une table, modifier une table, supprimer une table, créer, modifier, supprimer une colonne, vous allez passer par ce système de migration. Et comme ça, si vous avez plusieurs instances de votre projet, généralement on a une instance développement et une instance production, vous allez pouvoir mettre à jour vos structures. Et c'est ce système qui va gérer ça. C'est-à-dire, au lieu de passer vos fichiers SQL à la main via MSN ou Hotmail, c'est vous passez par ce système. Et concrètement, dans FullPHP, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne avec ces fichiers de migration qui ont été générés précédemment. Si je vais voir mon fichier de migration ici, à quoi il correspond ? Si j'arrive à l'ouvrir. Ça, c'est rien. Hop. Il ne veut pas. Bon, à l'intérieur, il y a toutes les informations qui me permettent qui m'indiquent qu'il a réussi à créer ma table. Et pour pouvoir exécuter ces fichiers de migration, je vais passer par la ligne de commande oilrefinemigrate qui va m'exécuter l'ensemble des fichiers de migration qui ont été exécutés jusqu'alors. Si j'exécute cette commande, je vais pouvoir voir qu'il a bel et bien exécuté mon fichier 001 createMonkeys, et il enregistre bien sûr quelque part que ces fichiers ont été bien exécutés, parce que si j'essaye de réexécuter, eh bien, il me dit que la dernière migration a déjà été exécutée. Si je retourne en base de données, je peux voir que deux tables ont été créées. Donc il y a la table migration qui est interne à OIL, c'est là où en fait il enregistre l'ensemble des fichiers migration qui ont été exécutés jusqu'alors. Normalement, vous n'avez pas besoin de savoir ça, c'est censé être automatique. C'est bon à savoir. Et la table Monkeys, dans laquelle il y a les colonnes Name et Migration que je voulais générer tout à l'heure. Et il y a trois autres colonnes. La colonne ID qui correspond à la clé primaire. On se doutait que ça serait relativement automatique. Il y a la colonne Created At et Updated At, qui sont gérés automatiquement après par les modèles, qui permettent donc created at est la date de création d'un objet, et updated at, la date de dernière modification d'un objet. J'ai généré le code qui me permet de gérer les actions de base sur mes objets. J'ai ma base de données qui est prête. Je peux donc essayer d'accéder à mon scaffold. Donc là, j'ai accès au listing de mes singes. Simplement, je n'ai aucun singe, donc il n'y a pas grand-chose à afficher. Je vais donc rajouter mon ami Julien, qui vous a parlé tout à l'heure du pourquoi. On aime bien FullPHP. Je vais me rajouter moi, ça sera pour l'exemple de tout à l'heure. Je vous parle de OIL. Je peux voir un objet en particulier. Je peux revenir l'éditer. Et évidemment, je peux le supprimer. Les actions CRUD. Je me rajoute pour tout à l'heure. Un autre aspect intéressant de FullPHP, ce sont ses packages, et notamment l'ORM. Donc on a vu tout à l'heure que tous les packages étaient dans le dossier package de FullPHP. Et donc si on veut rajouter un package, c'est facile, il suffit de rajouter ce dossier à l'intérieur de package,
Et si on veut l'activer, parce que le fait que des packages soient installés ne veut pas dire qu'ils sont forcément activés, il suffit de modifier le fichier de configuration config.php. On rajoute simplement un string, le nom correspondant au package. Il y a 5 packages installés de base. Le package auth qui permet de gérer l'authentification de l'utilisateur. Le package email qui permet de gérer les emails. Le package oil, on l'a vu, c'est la ligne de commande. Le package ORM qui permet de gérer les modèles. Et le package parser, dont ça parlait tout à l'heure Julien, qui correspond au système de template, qui permet de gérer les systèmes de template. Un peu plus précisément sur l'ORM, parce qu'on l'utilise souvent. L'ORM est spécifique à FuelPHP, mais il est très largement inspiré d'ActiveRecord. Il va permettre de gérer les actions de base sur un objet, donc créer, modifier, supprimer un objet, comme on s'attendrait que les ORM le fassent. Et il va permettre aussi de gérer les relations entre les objets. Donc, les 4 relations de base qui sont AsOne, BelongsTo, AsMany et ManyToMany. Il permet de gérer aussi les Observers, qui sont des comportements sur les colonnes. Donc, l'Observers Created At et l'Observers Updated At qu'on a vu tout à l'heure. Pour illustrer mes propos, je vais passer par une autre fonctionnalité intéressante de OIL, qui est sa console, qui est une sorte de PHP CLI. Je peux affecter des variables dessus et je peux les afficher. Bon, normal, classique, on s'attend à ça. Et donc, si j'ai envie de charger un singe, excusez-moi. J'écris ça. Oui. Ça va me permettre de trouver le premier singe présent dans la base de données. Donc là, j'ai pas donné d'ordre, donc il me prendra le premier singe qui lui viendra. Si j'affiche le contenu de ce singe, je peux voir que c'est mon ami Julien dans ses colonnes. Donc il y a un certain nombre de pollutions vu que c'est un objet, donc il m'affiche l'intérieur de l'objet. On peut quand même facilement visualiser ces colonnes. Pour modifier une colonne, pour accéder à une colonne, ben, je passe simplement par les getters des classes FullPHP. Pour éditer une colonne, je passe par ces setters. Et si j'ai envie d'enregistrer cet objet, je vais passer par la fonction save. Si je retourne au niveau de mon scaffold, je peux bel et bien voir que Julien se transforme en Juliette. Bonjour Juliette. La fonction qu'on a vue tout à l'heure qui correspond au find, elle est beaucoup plus complexe que ça. Vous devez vous l'imaginer. Par exemple, je peux récupérer tous les objets monkey en modifiant le premier paramètre. Si j'affiche la variable, j'aurai donc bien ma liste d'objets avec Juliette ici et Sébastien ici. Et en deuxième paramètre, on peut rajouter des conditions supplémentaires, comme ici. Donc, le where, donc ici je cherche tous les singes dont la condition est que le nom est Sébastien. Là, il m'a trouvé bel et bien uniquement Sébastien. Je peux aussi ordonner mes résultats. Order by. Et là, on aura bien Juliette qui apparaît devant Sébastien. Vu qu'on fonctionne en tableau, ben on peut évidemment mettre plusieurs conditions ensemble. On peut combiner order by et les conditions. On peut, y a d'autres clés qui existent, qui sont notamment les limites, les offsets, et related, qui permet de charger l'ensemble des relations avec un minimum de requêtes SQL. Je vous parle un peu du futur maintenant de
PHP qui va servir de conclusion à cette conférence. Le futur de PHP, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, il faut savoir que le futur de PHP, c'est Full PHP 2.0 du coup. Il faut savoir que la roadmap de Full PHP 2.0 a été faite de manière communautaire, c'est-à-dire qu'ils avaient mis un billet de blog sur leur blog pour demander aux utilisateurs de Full qu'est-ce qu'ils attendaient dans Full PHP dans les futures versions. Ils ont fait une compilation de tout ça en rajoutant leurs propres choses que eux ils savaient qu'ils voulaient voir également dans Full PHP. Et tout ça, ça nous a amené une roadmap assez conséquente, on va dire, assez osée, avec notamment une nouvelle architecture dans l'organisation des fichiers, des modules et des applications. Alors tous ces changements seront repris progressivement dans les versions 1 étoile, donc actuellement c'est la 1.4, donc d'ici entre la 1.5, à 6, à 7, à 8, ça va progressivement refléter les modifications de ce à quoi ressemblera Full PHP dans la version 2, parce que eux ce qu'ils veulent, c'est que quand Full PHP 2 sortira, il n'y ait pas encore énormément de gens qui restent entre guillemets sur des vieilles versions de Full PHP 1. Étoile. Ils veulent que tout le monde puisse mettre à jour le plus rapidement possible et bénéficier des dernières choses du framework. Donc la nouvelle architecture, ça consiste en quoi? Ça consiste notamment à utiliser les outils modernes Composer et les spécifications PSR1 dans l'ensemble du framework. Ça correspond également à séparer les fonctionnalités dans des packages spécialisés. Donc là, je vais donner un exemple. Actuellement, dans Full PHP 1.étoile, on a tout ce qui est validation de données et génération de formulaires qui est présent dans le cœur de base. Mais en vrai, cette fonctionnalité, ça ne dépend pas réellement du framework. Ça pourrait très bien être implémenté dans un package séparé. En fait, c'est ce qui va se passer dans la 2.0. Ça va être dans un package séparé. Ça fera plus partie du cœur de base. Ils vont le mettre dans un package comme l'envoi d'email, l'authentification, OIL, l'ORM, les packages qu'on a vus précédemment. Enfin, il faut savoir que Full PHP, c'est un projet communautaire, donc comme je l'ai dit au début, qui n'est pas du tout propulsé par une entreprise. Et donc au final, Full PHP, c'est quand même conditionné par sa communauté, donc par le nombre de gens qui l'utilisent, par le nombre d'entreprises qui vont l'utiliser. Surtout que les domaines sont assez concurrentiels. Domaine framework PHP, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup des beaucoup utilisés qui sont très connus. Et c'est là-dessus que je conclurai ma conférence. Vous avez des questions? Oui. On peut parler de configuration ou de convention, mais il faut remarquer à ça qu'on voit déjà l'utilisation de convention, par exemple, la déclaration de driver de config. Oui, alors je vais répondre, ça c'est des conventions, mais c'est des plus que des conventions, c'est des choix structurants du framework et des choix de conception forts qu'ils ont fait pour faciliter la vie du développeur. Quand on dit configuration over convention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de convention, ça veut dire qu'il y en a le moins possible et qu'il y en a les moins possibles dans des choses qu'on pourrait rendre configurables. Et ce qu'ils ont fait, c'est que tous les drivers que tu vois, ils ont leur fichier de configuration et dans leur fichier de configuration, on peut voir exactement entre guillemets toute la liste des options de ce qu'ils sont capables de faire. C'est une philosophie, c'est pas une règle absolue quoi. Juste un ajout pour les noms des fichiers. Quand vous avez par exemple contrôleur underscore A, ça se trouvera dans le dossier contrôleur A, enfin, par convention, ça se trouve dans le fichier A du dossier contrôleur. Même chose, modèle A, ça se trouvera dans le dossier modèle, le fichier A. Sachant que du coup, dans Full PHP 2, ça va utiliser Composer, donc ça sera la norme PSR0, entre guillemets classique. D'autres questions? On n'a pas entendu. Je voulais savoir si au niveau de l'ORM utilisé, il n'y avait qu'un driver supporté où on pouvait changer facilement de base de données derrière.
En fait, l'ORM, il y a plusieurs drivers, on peut appeler ça des drivers qui sont utilisés, mais c'est l'ORM, en fait, c'est pas lui qui fournit ses drivers. Lui, l'ORM fournit uniquement la couche modèle et abstraction des objets métiers. L'abstraction des drivers sur l'ORM, ça, c'est une classe de base entre guillemets de Fuel qui s'appelle Database. Donc l'ORM utilise la classe Database de base qui existe dans Fuel, qui elle fournit les drivers pour plein de choses. Alors j'ai pas la liste en tête, mais un des drivers notamment c'est PDO tout simplement, et du coup qui lui-même permet de faire déjà plein de bases de données de base, quoi. J'ai une question. Moi, j'utilise beaucoup Codeigniter et donc je vois qu'il y a beaucoup de ressemblances avec FullPHP. Et je voulais savoir si vous avez un retour justement sur Codeigniter, est-ce que vous avez eu l'occasion d'utiliser, de voir les différences majeures ou même un avantage, un gros avantage que FullPHP n'aurait pas à Codeigniter, par exemple. Question difficile, mais très intéressante. Je crois pas que toi non plus tu aies utilisé Codeigniter à titre personnel. Non, voilà. Non, désolé. Moi non plus, donc de ce point de vue là on va avoir du mal d'avoir des retours. Mais les développeurs qui ont créé le projet à la base, il me semble bien que leur framework principal de prédilection c'était Codeigniter et que c'était des grands contributeurs de FuelIgniter et que c'est toujours des grands contributeurs de FuelIgniter. J'ai vu qu'il y a deux personnes déjà que je connais. Voilà, donc tu vois les noms que tu... voilà. Deux des créateurs et qui font partie de la core team de FuelPHP viennent à la base de Codeigniter, mais c'est pas pourtant qu'ils ont arrêté Codeigniter non plus, ils continuent de contribuer, mais ils ont fait leur propre bébé entre guillemets qu'ils considèrent comme une amélioration. Si vous avez des questions, d'autres questions, vous pouvez venir nous voir juste maintenant, dehors, comme vous voulez.